dun 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 dun. I'm like, oh god, we're fucking Drake. You can find me in the car. I'm like, this is it. I turn the rule and everyone in the office, and I say, yo, buckle up. We have a major problem. This guy's hot. This record, and he's with Jimmy Iovine, Dr. Dre, and fucking Eminem. We have a problem. Salut, c'est Djangina d'Interlude Hip Hop Classique. J'espère que vous allez tous bien. On avait commencé une série sur la chute de Murder Inc. et on revient aujourd'hui pour la poursuivre. Je précise pour ceux d'entre vous qui nous regardent régulièrement que vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter ou Instagram. On nous demande souvent en privé pour quand sont nos prochaines vidéos ou quels sont les sujets à venir. Et en fait, on communique dessus. Donc si vous avez des suggestions de thèmes, on les prend avec plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Lors de la précédente partie, je vous avais donc présenté Murder Inc. ainsi que Supreme et comment leur lien avait fini par attirer les soupçons de la police. Aujourd'hui, on revient pour s'intéresser au rôle joué par des rappeurs comme 50 Cent ou Jay-Z, et même pour les plus fins connaisseurs parmi vous, certains passages vont vous laisser sans voix. Donc sans plus tarder, allez, c'est parti. Alors pour beaucoup, 50 Cent est directement associé à la chute de Murder Inc. Ce qui n'est pas faux en soi, mais pas de la manière dont on le pense en réalité. Et à travers cette série, je veux surtout pas que vous surestimiez le rôle qui a été celui de 50 Cent dans toute cette histoire. Alors ouais, aujourd'hui il est clairement avéré que 50 et son crew, par extension jusqu'à Eminem, ont mis des bâtons dans les roues de Murder Inc, notamment auprès de promoteurs de concerts. Et ça d'ailleurs dans son livre, Ja Rule le reconnaît sans aucun problème. Quelqu'un passait des appels à MTV et BET, et puis des appels nous étaient passés. Murder Inc, on vous aime, mais cette année Eminem va se produire aux MTV Awards, et les artistes ne se sentent pas en sécurité de le savoir là. Toutefois à mon avis, ça ne représente qu'une infime partie du process qui va mener Murder Inc. vers le déclin. Et comme d'ailleurs on le verra dans la suite de cette série, pour l'essentiel, 50 Cent a surtout été un prête-nom dans toute cette opération de blacklisting. Et d'ailleurs, quand on prend le temps d'écouter les mecs de Murder Inc., c'est absolument pas ça qu'ils reprochent à 50 Cent. Cette histoire de blacklisting, ils l'évoquent même de manière quasiment anecdotique. Le vrai cœur du problème, c'est que selon Irv Gotti, Ja Rule et toute l'équipe, 50 Cent aurait collaboré avec la police, de manière à créer des ennuis judiciaires à Murder Inc. pour faire tomber le label. Et ça tient au fait que 50 Cent et Ja Rule sont des ennemis de longue date. Alors je l'ai dit, et c'est promis, je ferai une vidéo où je reviendrai sur les origines du beef entre les deux. Mais pour faire court, il y a déjà eu des altercations physiques entre 50 Cent et le crew de Murder Inc. Et Supreme, qui était le OG de Queens, qui était originaire du même quartier à Jamaica, Queens, que 50 Cent, et que 50 a toujours vu comme une espèce de figure paternelle, et bien sa sortie de prison dans les années 90, Supreme va faire le choix de rallier le camp de Irv Gotti et Murder Inc. Ce que naturellement 50 Cent va vivre comme une espèce de trahison quelques années plus tard. Et lorsqu'en 2000, 50 va être victime d'une fusillade et qui prendra plusieurs balles et qui restera plusieurs semaines alité à l'hôpital dans un état critique, et bien sa sortie, 50 va faire peser les soupçons sur Supreme et Murder Inc. J'ajoute également que les gars de Murder Inc, par l'intermédiaire de Ja Rule au micro, prenaient aussi un malin plaisir à entretenir cette rumeur dans leur musique. Alors les exemples sont très nombreux, mais le couplet de Ja Rule dans son titre The Life se voulait sans équivoque. Cette thèse de l'implication de Murder Inc dans la fusillade contre 50 Cent sera également étayé par des investigations judiciaires. Et à ce propos, voilà ce que déclarait un enquêteur.
En 2003, une enquête sur Murder Inc. avait été lancée par le FBI. D'après une déclaration sous serment de l'enquêteur Francis Mace, les fédéraux pensaient que Supreme, ex numéro 1 de la Supreme Team, faisait surveiller 50 Cent avec l'assistance de Chris et Irv Gotti. Selon Francis Mace, un message de Chris Gotti à Supreme disait « 50 est dans le quartier, boulevard Guy Brewer à Jamaica, Queens. » Et toujours d'après un autre élément du dossier, d'après les informations de la police, un message d'un des beepers de Murder Inc. envoyé peu après la fusillade contre 50 Cent disait « Que 50 Cent aille se faire foutre, pour mes gars et moi, buter des gens c'est drôle. » Irv Gotti aura aussi envoyé une rafale de messages dans les 30 minutes qui ont suivi la fusillade pour demander combien de balles aurait pris 50 et s'il était mort. En fait, selon Irv Gotti et Ja Rule, 50 Cent aurait balancé, ou tout du moins laissé entendre à la police, que Supreme et Murder Inc. étaient les auteurs des différentes agressions dont il avait été victime, avec pour intention de leur créer des ennuis avec la justice. D'ailleurs, dans ses mémoires, Ja Rule explique. Les fédéraux étaient revenus à la charge pour essayer de faire dire à 50 Cent qui lui avait tiré dessus. Ils lui ont certainement dit qu'il ne devrait pas revenir au quartier sans protection. Quand ils lui ont demandé vers qui il portait ses soupçons pour la fusillade dont il avait été victime, je parie que 50 leur a répondu « Ja Rule, Irv Gotti et Murder Inc. » Et je suis sûr qu'ils lui ont dit « On peut t'aider à faire tomber ces gars si tu veux. » Plus loin, Ja Rule continue « D'après moi, les agents du FBI ont réussi à tirer les verres du nez de 50 Cent à cette époque. Bien qu'ils disent avoir refusé de coopérer avec eux, il les a secrètement guidés à travers sa musique vers les réponses qu'ils cherchaient. » Alors même s'il est vrai que 50 Cent a bel et bien été entendu par le FBI, ne serait-ce que dans le cadre des affaires où il avait été victime, voilà ce que lui, 50, rapportait ses discussions avec la police. Les flics venaient me poser des questions, je leur répondais « j'ai pas de réponse pour vous ». Ils me disaient « vas-y 50, on sait que t'en as rien à foutre, personne t'a jamais empêché de dire ce que tu veux ». Je leur répondais « les gars, écoutez ma musique comme tout le monde ». Alors vous reconnaîtrez que ça ressemble déjà à une forme de délation passive. Mais ce qui finira d'en convaincre beaucoup que 50 Cent était bel et bien une balance, c'était la teneur des textes de ses chansons. Et le meilleur exemple selon moi, c'était sa ligne dans Many Men. When Pop got shot, I got a kite from the pins that told me Tuck got knocked. I ain't gonna spell it out for you motherfuckers. Alors comme 90% des gens facilement qui vont écouter Many Men, francophones comme anglophones, sans maîtrise du contexte, vous êtes obligé de passer au travers de cette ligne. The feds didn't know much when Pac got shot. En clair, lorsque Tupac s'est fait tirer dessus, la police, le FBI n'avait pas beaucoup d'indices. Alors première confusion possible et d'entrée de jeu. Ici, 50 Cent ne fait absolument pas allusion à l'assassinat de Tupac en 96, mais plutôt à la tentative de meurtre sur Tupac en 94 à Quad Studio, New York. Celle dont Tupac ressortira blessé, mais vivant. Cet épisode qui est reconstitué dans le clip de Dear Mama sera largement médiatisé par les journaux et chaînes de télévision. Dès lors, Tupac évoquera énormément cette fusillade dans sa musique, comme par exemple dans l'intro de son album Me Against the World. Orders, Tupac Shakur checked himself out of the hospital less than 24 hours after being shot 5 times on the way to a Manhattan recording studio. Tupac Shakur. Par la suite, Tupac accusera plusieurs de ses amis de l'avoir trahi, en jouant un rôle plus ou moins actif dans cette fusillade. Il évoquera notamment son pote Stretch, mais également Big et Puff. Et c'est d'ailleurs cet événement qui sera en bonne partie à l'origine de son clash avec Bad Boy. Fifty Cent continue en disant « I got a kite from the pen that Tommy Tuck got knocked. » En clair, j'ai reçu un courrier, un message d'un de mes gars en prison, m'indiquant que Tut était derrière les barreaux.
when Pop got shot. I got a kite from the pins that told me Tuck got knocked. Alors Tut à qui il est fait allusion ici, c'est King Tut. Et King Tut, c'est un ancien gangster notoire de Brooklyn, des années 80-90, ami d'enfance de Mike Tyson. Les gens ne le savent pas toujours, mais Tyson a vraiment grandi avec de vrais gangsters, de vrais tueurs. Et cette histoire n'a plus franchement grand intérêt aujourd'hui, puisque Tupac est mort depuis. Mais personne n'a jamais été officiellement condamné pour avoir perpétré le braquage et la tentative de meurtre contre Tupac en 94 à Quad Studio, New York. Or, vous imaginez bien que depuis 94, les mecs qui ont fait ça se sont un petit peu confiés, des co-détenus ont été un petit peu bavards, bref. Aujourd'hui, on sait avec une quasi-certitude que l'un des mecs qui a braqué Tupac et tenté de le tuer ce soir-là était bel et bien Tut. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'en réalité, tout le monde le savait. La police le savait, quand bien même elle n'avait pas de preuves pour faire condamner Tut. Et Tupac lui-même le savait. D'ailleurs, dans son titre, Against All Odds, présent sur son premier album posthume, le 7 Day Theory, Tupac parle d'aller prendre sa revanche lui-même contre Tut. Now you gotta watch your back now, watch your front. Here we come, gunshots to Tut. Now you stuck, here we come, gunshots to Tut. Now you stuck, fuck the rap game, nigga. Après la fusillade de Quad Studio, Tupac sera incarcéré quelques mois en 95 pour une histoire d'agression sexuelle. Et une lettre écrite en prison et adressée à sa copine de l'époque a depuis été rendue publique. Et ce qu'il y a de plus intéressant dans ce courrier, ce sont les tout derniers mots que griffonne Pac, puisqu'il écrit en guise de post-scriptum « The Walking Dead ». En clair, « sont des hommes morts ». Deux points. Jack Agnant, Jimmy Ace, qui sont deux gars que Tupac soupçonnait d'être des parties prenantes dans cette tentative de meurtre contre sa personne. Et entre ces deux noms, Tupac mentionne également Tut, avec une croix sur chacun de ces trois noms, comme pour signifier qu'ils étaient d'ores et déjà des hommes morts. La réalité, c'est que Tut aujourd'hui est toujours en vie, mais il a été condamné à une peine de prison à perpétuité. Et le cas de Tut, je trouve assez symptomatique des techniques d'investigation du FBI. Puisque j'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup documenté sur Tut, et d'avis général, Tut a été condamné pour des faits qu'il n'a pas commis, sur la base de témoignages montés de toutes pièces, pour la simple et bonne raison que la police n'était pas parvenue à démontrer sa culpabilité dans des faits où pour le coup on était sûr qu'il était l'auteur, comme par exemple la tentative de meurtre contre Tupac, mais surtout une fusillade à laquelle Tut avait participé quelques années plus tôt et qui avait laissé un policier paralysé à vie. Je reviendrai sur le cas de Tut dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Mais si je vous parle de tout ça, c'est absolument pas une digression sans intérêt. C'est pour que vous compreniez pleinement la subtilité de la ligne de 50 Cent ici. Donc pour résumer, ce que 50 dit c'est, lorsque Tupac s'est fait tirer dessus, la police n'avait pas beaucoup d'indices. Pour autant, j'apprends qu'un gars comme Tut aujourd'hui est en prison. Alors, sous-entendu, sur la base de procédés pas très très honnêtes, mais la fin justifiant les moyens, même un gars comme Tut aujourd'hui est en prison. Ce qui était une façon pour 50 de dire, lorsque la police veut mettre la main sur quelqu'un, elle y arrive systématiquement. 50 Cent continue en disant, I ain't gonna spell it out for you, motherfuckers all the time. Are you illiterate nigga, you can't read between the lines. I ain't gonna spell it out for you, motherfuckers all the time. Are you illiterate nigga, you can't read between the lines. Donc ce que 50 veut dire ici, c'est compte tenu de tout ce que je viens de vous expliquer, dans mon cas de figure à moi, 50 Cent, où j'ai pris le nombre de balles que vous savez, dans les conditions que vous savez, avec les indices et témoignages que vous avez, vous allez quand même pas me faire croire que vous ne savez pas qui est derrière cette tentative de meurtre, c'est évident, je vais quand même pas avoir à vous épeler le nom des personnes que je vise, vous n'arrivez pas à lire entre les lignes de mon son. Je précise pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient peut-être pas que Many Men est un son qui est quasi exclusivement destiné à Supreme. J'ajoute également, pour la bonne compréhension du contexte de cette chanson,
que 50 Cent a écrit et enregistré Many Men courant 2002, c'est-à-dire à un moment où Supreme était encore en liberté. Donc beaucoup ont compris que sur ces quatre mesures, 50 Cent s'adressait à la police. Certes, sur un ton qui n'était pas très élogieux, mais qui s'adressait quand même à la police. Ce qui, pour le coup, s'apparente à du snitching caractérisé. Vous comprenez donc mieux d'où et surtout comment 50 Cent traîne cette réputation de balance depuis pratiquement le début de sa carrière. Alors cette interprétation de ses textes, évidemment je la sors pas de mon chapeau. Et beaucoup de ceux qui savaient à quoi 50 Cent faisait allusion ici et là dans ses chansons, ont soutenu la thèse qu'une bonne partie des textes de 50 Cent, notamment au début de sa carrière, étaient destinés à guider les enquêtes de police par rapport à la tentative d'assassinat dont il avait été victime. Évidemment, Murdering soutiendra mordicus cette thèse-là. Mais ça viendra aussi de personnes qu'on n'attendait pas, ou peut-être un petit peu moins, notamment Bang'em Smurf. Certains parmi vous connaissent peut-être Bang'em Smurf, rappeur, ami d'enfance et surtout très proche de 50 à ses tout débuts. Then I got another one in my pocket too. About to blow, man. It's about to be a drought in this industry, man. That's a real dude right there, by the way. G-Unit all day, man. Bang'em Smurf, heard? Vous l'apercevez notamment dans le clip d'Inda Club. Alors aujourd'hui, sa relation avec 50 Cent s'est clairement brouillée, ce qui d'ailleurs donnera lieu à plusieurs morceaux clash entre les deux parties. Mais Bang'em Smurf, qui entretenait une forte proximité avec 50 au début des années 2000, confirmera lors d'une interview le rôle avéré qu'ont joué les textes de 50 Cent dans l'inculpation de Supreme par la justice quelques temps plus tard. They used his lyrics and everything to indict Prince. They used his lyrics. It was the lyrics that 50 was spitting. They actually used in the trial. They used 50 lyrics in the trial, man. What do you mean did a player part in him getting indicted? You feel me? They used his lyrics in the man trial. Facts. De leur côté, Irv Gotti et Ja Rule feront plusieurs interviews, et plus particulièrement une, où ils présenteront un document officiel qui se voudrait être une injonction d'éloignement de Curtis Jackson, à savoir 50 Cent, à l'encontre de Christopher et Irving Lorenzo notamment, c'est-à-dire les frères Gotti. And what I'm holding in my hand, I'm gonna leave with you, man, is an order of protection. An order of protection for Irving Lorenzo to stay away from Curtis Jackson. That's 50, y'all. AKA 50, AKA 50, AKA informant, AKA I'm telling. Wow. Bien qu'il sera confirmé par certains que ce document était authentique, comme d'ailleurs on le voit sur cette ordonnance où les personnes concernées sont Curtis Jackson, alias 50 Cent, et Marvin Bernard, plus connu chez G-Unit sous le nom de Tony Yayo. Il faut quand même préciser, pour être honnête, que dans le système judiciaire américain, une injonction d'éloignement peut parfois être délivrée par la justice sans qu'il soit nécessaire d'avoir l'aval de la victime. Et en l'occurrence, 50 Cent démentira toujours être à l'origine d'un document pareil. Dans le numéro de mars 2003 du magazine hip-hop XXL, où il partageait la cover avec Eminem et Dr. Dre, 50 Cent expliquait lors de l'interview que ces mensonges étaient un moyen pour Irv Gotti de promouvoir l'album Last Temptation de Ja Rule qui devait sortir quelques jours plus tard. Dans une autre interview, toujours en 2003, et accordée au magazine Don Diva, voilà ce que 50 expliquait. Je suis jamais allé au commissariat pour faire établir une injonction d'éloignement contre qui que ce soit. Je connais tous ceux qui sont impliqués dans ce qui m'est arrivé. Je pensais qu'on réglerait ça dans la rue.
50 Cent enregistrera un titre intitulé Bang Bang, qui est d'ailleurs trouvable sur la mixtape de G-Unit, Automatic Gunfire, paru en 2003, où il se moque des insinuations comme quoi il aurait demandé une injonction d'éloignement contre les frères Gotti. Mais plutôt que de se contenter de réfuter cette accusation, 50 ira sous-entendre, sur ce même morceau, qu'il existerait un rapport de subordination directe entre Supreme et les frères Gotti, et qu'en clair Murder Inc. servirait de distributeur de billets à Supreme. Motherfuckers been getting extorted from day one. You little bitch. Try to jump off like it's a promotional stunt. 7 days before your album drop, huh, you little bitch. Order protection. From who? Who I need order protection from, nigga? L'ambiguïté de l'accusation alimentera les soupçons du FBI, selon lesquels Murder Inc. serait une machine à blanchir l'argent sale de Supreme, investi à la base. Donc vous comprenez mieux que lorsque Irv Gotti, Ja Rule et toute la bande attribuent un rôle à 50 Cent dans la chute de Murder Inc., ça n'a pas grand chose à voir avec de la musique en réalité, mais plutôt par rapport au rôle supposé ou avéré de balance de 50 Cent dans toute cette histoire. Cadillac Tam, qui était un rappeur de Murder Inc. et également ami d'enfance de 50 Cent, on ne le sait pas toujours. Retenez son nom, puisque je reviendrai sur lui dans la suite de cette série. Cadillac Ta enregistrera un son où il tournera en dérision le single In Da Club de 50 Cent en faisant un freestyle intitulé Snitch In Da Club, qui fait complètement référence à ce que je viens de vous expliquer. Wait till they find out you a rat. You think you got hood love? Wait till they find out you a rat. Caddy, the legend in the hood, bitch, how you love that? 50 Cent aura également des mots en retour pour Cadillac Ta dans plusieurs titres, comme par exemple dans le freestyle Hail Mary avec Eminem et Busta, qui était entièrement destiné à Murder Inc. Nigga payback, tired know your bitch ass from way back. When it's me strapped with Max, knew I don't play that. Nigga payback, tired know your bitch ass from way back. When it's me strapped with Max, knew I don't play that. En 1987, Irv, qui était encore un tout jeune DJ de Queens, devait accompagner à Londres un rappeur pour qui il mixait et qui devait se produire là-bas, un certain Big Jazz, également connu sous le pseudo de Jazz O. C'est donc en Angleterre, en 1987, qu'Irv a fait la connaissance du protégé de Jazz, un gamin de 17 ans qui rappait également et qui se faisait appeler Jay-Z. Kitchen table, that's where I hone my skills. Jazz made me believe this shit was real. Kitchen table, that's where I hone my skills. Jazz made me believe this shit was real. Labels turned me down. Irv et Jay-Z se connaissent donc depuis 1987. Ce qui veut donc dire bien avant Murder Inc. ou Rockefeller, bien avant les albums et le succès, et pour Jay-Z même, bien avant Dame Dash et Biggs, ses partenaires de toujours chez Rockefeller. D'ailleurs, des années plus tard, c'est même Jay-Z qui donnera personnellement le surnom de Gotti à Irv, comme d'ailleurs le confirme Ja Rule dans ses mémoires. Soudainement, sa réputation s'est étendue, et le simple nom DJ Irv n'était plus assez à ses yeux. Jay-Z lui a donné le surnom Gotti, d'après le célèbre mafieux de la famille de Brooklyn, John Gotti. Jay-Z raffolait toujours de ses histoires de gangsters. Gotti appréciait le nom parce qu'il symbolisait le statut de boss et c'est ce qu'il voulait être dans l'industrie du rap. DJ Irv était devenu Gotti. Tout ça pour dire une chose simple, c'est que Irv Gotti et Jay-Z sont des copains d'enfance. Et les deux ont pris en poids dans l'industrie pratiquement en même temps. D'ailleurs, Jay-Z le laisse explicitement entendre dans son single Anything, d'abord inclus sur le premier album de dingue de Benny Siegel, le Truth,
puis ensuite sur la version européenne de son album volume 3, le Life and Times of S. Dat Carter de Jay-Z. But look at us now, man, we young execs. My nigga Dame, my nigga Biggs, my nigga Ty, my nigga High, my nigga Gotti, we your body, all is right with the world. Alors mesurez bien l'étendue de mon propos, qui ne vise absolument pas à dire ici que sans Irv Gotti, il n'y aurait pas eu de Jay-Z, mais qui vise plutôt à dire que sans Irv Gotti, le chemin aurait été bien plus long et bien plus tortueux pour Jay-Z. Et ça, c'est indéniable. D'ailleurs, Jay-Z lui-même l'a admis à plusieurs reprises, comme par exemple dans son livre Decoded, où l'histoire autour de son premier album, Reasonable Doubt, illustre assez bien les choses. Puisque pour cet album, le plan initial de Rockefeller était de faire sortir Dead President comme premier single de l'album. Et c'est Irv Gotti qui dira à Jay-Z, Dame Dash et Biggs, non les gars, sur ce coup, faites-moi confiance. La puissance commerciale de votre album, elle réside avant tout dans votre titre Ain't No Nigga avec Foxy Brown. Faites sortir Ain't No Nigga comme premier single. Notez d'ailleurs que dans le clip, on aperçoit aux côtés de Jay-Z, très furtivement, Irv Gotti, Biggs, Dame Dash, Biggie et également Mike Geronimo entre autres. You've been playing with Bobby and Kenny. You can't change a player's game in the ninth inning. The chrome rims spinning, keeps them grinning. So I run way above venom and wrinkle their face like. Et Irv Gotti n'avait pas tort, puisque c'est le buzz de Ain't No Nigga en featuring avec Foxy Brown qui motivera Kevin Lyles de Def Jam à l'incorporer dans l'excellente BO du film Nutty Professor avec Eddie Murphy et traduit en français sous le nom de Professeur Folding. Une bande originale produite par Def Jam. Cette vision judicieuse d'Irv Gotti sera aussi en bonne partie à l'origine du futur deal entre Rockefeller et Def Jam et jouera également un rôle important dans le lancement de carrière de Foxy Brown. Voilà ce que Jay-Z disait du rôle d'Irv à l'époque de son premier album. Mon morceau d'après a été Dead Presidents. C'était un single puissant et on le savait. On voulait être présent sur les radios de rap les plus écoutées, c'est-à-dire celles de New York. Et ça voulait dire qu'on devait faire diffuser notre musique par DJ Funk Master Flex. Flex était devenu le DJ hip-hop le plus populaire de New York. Il avait un créneau de grande écoute le week-end à la station radio Hot 97 et un gros set le dimanche soir dans l'immense boîte de Manhattan qu'on appelait le Tunnel. On a tout tenté pour que Flex passe Dead Presidents, mais le négro n'était pas réceptif. Irv Gotti, que je connais depuis que j'étais à Londres avec Jazz, manageait des rappeurs comme Mike Geronimo. Lui avait l'oreille de Flex et il l'a tout bonnement harcelé jusqu'à ce qu'il passe le morceau. Irv a également rencontré DJ Clou à une station essence et il lui a donné le single comme s'il dealait de la drogue. C'était la première fois qu'on était vraiment diffusé à la radio et ça devenait sérieux. Irv nous a aussi donné un conseil très judicieux. Il nous a dit que Dead Presidents est un super titre mais trop dur pour être un hit. Pour lui, Ain't No Nigga, le morceau de la face B, était celui qui serait joué en boîte et à la radio. Et l'histoire lui donnera raison. Donc je veux que vous gardiez bien en tête le rôle crucial qu'a joué Irv Gotti dans la première partie de carrière de Jay-Z en termes de sonorité et d'opportunité. It's pinky rings worth life on the run, the time serves the sing sing. I don't know to tell the truth if I'm pressed for dough. Gotta console Irv Gotti, y'all. Heads got to roll. I don't know to tell the truth if I'm pressed for dough. Gotta console Irv Gotti, y'all. Heads got to roll. En 2001, lorsque le beef entre Jay-Z et Nas va éclater, beaucoup de rappeurs prendront parti pour l'un ou pour l'autre. Et Jay-Z et Nas réuniront chacun leurs forces en présence. Et tandis que des mecs comme Fat Joe et Terror Squad, certains membres de Wu-Tang ou Jada Kiss par exemple, se rangeront derrière Nas, naturellement, Irv Gotti et Murder Inc. prendront plutôt le parti de Jay-Z. Puisque jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, Irv faisait partie des personnages indéboulonnables de l'équipe de beatmakers qui entourait Jay-Z. D'ailleurs, Jay l'évoque assez bien dans son titre « Watch Me »
en featuring avec Dr. Dre et produit par Irv Gotti. Watch Me est à mon avis l'une des plus grosses tueries de son album volume 3, le Life and Times of S.Dad Carter, même si le titre est uniquement trouvable sur la version US de cet album. Et sur ce son, Jay explique que son succès repose essentiellement sur la présence des mêmes gars derrière chacun de ses projets, et plus particulièrement Irv Gotti. Pour la petite info, sachez que Watch Me, dont vous allez écouter un extrait dans quelques instants, va donner lieu à plusieurs suites, comme par exemple le morceau Watcher, présent sur le deuxième album de Dr. Dre, le 2001, et également le Watcher Part 2, qui est présent sur le Blueprint 2 de Jay-Z, en featuring avec Dr. Dre et Rakim. Come on. Guess who? Fresh off of volume 2. Back at you. Peep the numbers, my album do. They call me Champagne Hover. Wake up with a hangover. When y'all think the game's over, do the same thing over. Still with the same soldiers. Gotti produira même l'une des réponses clash de Jay-Z à Nas, le fameux morceau Super Ugly. Le truc, c'est que parallèlement à Jay-Z, Nas connaissait aussi très bien Irv Gotti et Ja Rule, notamment depuis l'époque de son film Belly en 98 avec DMX et sous la houlette de Hype Williams. D'ailleurs, j'en profite ici pour saluer le travail de Hype, puisque c'est un film que j'ai toujours trouvé extrêmement bien réalisé. Et certains parmi vous se rappelleront du single de la BO, Grand Finale, avec Nas, Method Man, DMX et Ja Rule. Et on peut dire ce qu'on veut sur ce son-là, mais personne ne peut nier que ça rappe. Le couplet de Nas dessus est d'une violence. À chaque fois que je réécoute ce son, je mets son couplet sur repeat. Cops with warrants, every block is boring. Friday night getting bent like a porn. My dog not even home a month yet and blaze a girl. Connaissant le personnage de Gotti, Nas va se servir de son ambition dévorante dans le cadre de son beef avec Jay-Z. Gotti n'avait jamais caché sa volonté de faire de Murder Inc. une espèce de Death Row des années 2000 avec une dream team d'artistes. Et donc à partir de 2002, Nas va stratégiquement se rapprocher de Murder Inc. Et dans ce qui sera l'un des coups les plus finement joués de l'aveu même d'Irv Gotti dans le cadre d'un beef hip-hop, Nas va laisser s'insinuer la rumeur selon laquelle il était sur le point de signer chez Murder Inc. Rumeur qui d'ailleurs se matérialisera par la collaboration entre Nas et le crew de Murder Inc. sur le titre The Pledge, single du quatrième album de Ja Rule, Last Temptation. Dans le cadre du beef entre Dipset et Nas, qui découle du beef entre Jay-Z et Nas, Cameron y fera également directement allusion dans un titre présent sur la mixtape de Dipset, The Diplomats Volume 3, sorti en 2002, où on entend Cameron dire: This nigga never been a leader anyway, man. He abandoned the firm. He yelling out brave hearts, but running behind Murder Inc. He yelling out brave hearts, but running behind Murder Inc. Yo, shout out to Gotti Ja, y'all some smart ass niggas, man. I'm proud of y'all niggas, man. Y'all gonna have Nas rapping another 10 years for y'all niggas. Y'all gonna have Nas rapping another 10 years for y'all niggas. You gonna be working for Ja, you gonna retire in 2 years, man. You gonna be 48 rapping, you dumbass. Maintenant, vous et moi, on se met 2 secondes à la place de Jay-Z, à qui on annonce que son ami de toujours, à savoir Irv Gotti, tente finalement de signer et donc de s'associer avec son pire ennemi du moment, c'est-à-dire Nas. Forcément, Jay le vit comme une trahison. Mais là où les choses deviennent tristes dans cette histoire, et plus particulièrement pour Irv, c'est que Nas n'a jamais eu l'intention de signer chez Murder Inc. Comme d'ailleurs il le confirmera lors d'une interview sur BET. Nas and Murder Inc. Where is that at right now? There's all kinds of rumors you're being signed, joint venture with Ill Will. What's really going on with Murder Inc. and Nas at this point? I'm not signed to Murder Inc. What happened was, you know, I really don't do a lot of, you know,
I don't do a lot. I just chill. But Irv Gotti wanted me on the team. So, you know, he saw a big, big picture. He's a businessman and he really wanted to make that move. And I respect that. Right. And it came out of nowhere. And I was like, dang, you know, we don't really support each other like that. Mm-hmm. And to see another team come embrace me while I was at war, it meant a lot to me. You know what I'm saying? They didn't have to do that. Alors les choses sont très habilement amenées par Nas dans cet extrême. Puisque d'après plusieurs témoignages concordants, c'est bien Nas qui aurait dans un premier temps approché le camp de Murder Inc. Mais ce que Nas sous-entend ici, c'est qu'en clair, il était tout seul dans son coin, qu'il n'a strictement rien demandé à personne, et que c'est donc Murder Inc. qui est venu spontanément lui apporter un soutien, à un moment où il était en guerre pour reprendre ses termes, donc sous-entendu, contre Jay-Z. Vous l'avez bien compris, le plan de Nas à ce moment, c'était d'isoler Jay-Z en ralliant ses principaux soutiens. Mais la vérité, c'est que c'est surtout Murder Inc. qui en ressortira impacté. Puisqu'en 2002 déjà, se fâcher contre Jay n'était plus sans conséquence. Et la relation entre Irv Gotti et Jay-Z en ressortira froissée. Et leur amitié de 20 ans atteinte, comme d'ailleurs le confiera Jay-Z lors d'une interview à Angie Martinez. For Irv, I guess it's a good business move. You know what I'm saying? But for Nas, I don't understand. How does that affect your relationship with Irv? Has it yet? Yeah, I mean, it's definitely affect our relationship. You know what I'm saying? But it's a business move. At the end of the day, it's a business move. You know, if I was gonna sign 50 Cent, I would have spoke to him about it first. Mais plus tard, Irv exprimera ses regrets. Now, at one point, Nas was supposed to sign with Murder Inc. Or something like that. Yeah, what happened? He flirted with that. You know, you'd have to ask Nas. People ask me that all the time, and whatever the real answer is, he has it, not any of us. Because me and Rule, we was with it, you know what I'm saying? We thought it was the thing. We did the Pledge record, you know what I'm saying? The studio was crazy, you know what I'm saying? And the energy was crazy. And then Nas does, you know, Nas is Nas. He may have wanted to do it, then woke up and said, no, I'd rather be a lone soldier or whatever like that. I do not have the answer. Right, because he was beefing with Jay during that time still, right? So did that kind of set up a tension? Because you and Jay have had a good relationship to this day. It fucked up me and Jay. It didn't set tension. It fucked us up. Ah. Even though Nas is like, Nas is my brother. I love Nas. But I should have never flirted with the idea. I should have never did the Pledge record. Because Jay is truly my brother. I've known Jay since I was 17 years old. You DJed for him, right? I DJed for jazz and everything. Yeah. You know, but I'm a part of Jay's life. I'm a part of Jay's career. I'm a part of Jay. You know what I'm saying? So I should have never did that. It's a regret that if I had to do it back and we rewind the time, I would never do it. Dans cette même période, Gotti va également totalement briser la relation qui liait Murder Inc. à Jennifer Lopez. On le réalise pas toujours, mais Jennifer Lopez est certainement l'une des artistes les plus importantes de l'histoire de Murder Inc., alors même qu'elle n'a jamais été signée sur le label. De l'aveu même d'Irv Gotti, l'histoire de Murder Inc. s'écrit en deux temps. Avant I'm Real de Ja Rule et Jennifer Lopez, et après I'm Real. Avant I'm Real, Murder Inc. était un label à succès. Après I'm Real, Murder Inc. était le label qui dominait l'industrie hip-hop. Et le troisième album de Ja Rule, le Pain Is Love, qui sortira en 2001, avec pour principal single le fameux morceau I'm Real avec Jennifer Lopez, va s'écouler à près de 9 millions d'exemplaires dans le monde, quasiment disque de diamant, en faisant l'album le plus vendu de l'histoire de Murder Inc. En 2002, Ja Rule et Jennifer Lopez collaboreront à nouveau sur le remix de Ain't It Funny, également produit par Irv Gotti, et qui est d'ailleurs trouvable sur la compilation de Murder Inc., Irv Gotti Presents The Inc. Ces deux titres sont deux des plus gros succès commerciaux,
pour Murder Inc. et également pour Jennifer Lopez. Et Irv avait une véritable influence sur les choix artistiques de J-Lo à cette époque. Et les péripéties autour du single I'm Gonna Be Alright du troisième album de Jennifer Lopez, This Is Me Then, en était pour moi la parfaite illustration. Puisque pour cette chanson, l'équipe de Jennifer Lopez avait d'abord sollicité pour la collab 50 Cent. Puisqu'en 2002, 50 avait déjà commencé à générer un petit buzz, notamment à cause des nombreuses mixtapes G-Unit qui circulaient à New York, et également grâce aux rumeurs de deal avec Eminem et Dr. Dre. Mais Irv a eu vent de cette collab, et à cause du beef avec 50 Cent, Gotye va une fois de plus activer ses contacts pour bloquer 50, qui n'était personne encore à cette époque. Et ça, c'était une pratique usuelle d'Irv que lui-même revendiquait encore il y a peu. The other thing that I would probably tell young DJ Irv is, let Atlantic Records sign 50 Cent. No, because I blocked the nigga till he fell into M and Dre's lap. Damn! Are you serious? Yeah, labels would call me, and I was so hot with, I was just the hottest thing. So I'd be like, yo, if you fuck with him, I ain't fucking with you. And they'd be like, we ain't fucking with him then, Gotti, forget it. C'est donc là que Gotye a personnellement suggéré à Jennifer Lopez et sa team d'inviter plutôt sur la collab Nas. Puisque Nas était déjà un rappeur établi et que son clash avec Jay-Z lui avait donné encore plus d'exposition. Cet événement en termes de timing intervient pile au moment où Nas s'était mis à marcher main dans la main avec Murder Inc, comme je vous l'expliquais précédemment. Cet épisode sera aussi en bonne partie à l'origine du beef entre 50 Cent et Nas. D'ailleurs, voilà comment 50 expliquait les choses lors d'une interview. You know what I'm saying? And then when I did the Jennifer Lopez joint, I did a remix with Jennifer because the first thing I did is Puffy called me back to help him with the make this money. Right. You know what I'm saying? And after I did that, then I was working with Jennifer. I did a remix on one of her joints. And then Irv started crying and dining and them and was like, yo, what are you going to do? This guy's exactly what he says he is on these records. You know what I mean? Why you want to do business? What happens when he gets mad and he does this, something to Jennifer? So he was kind of using me against me at the time. And then they pulled back off and he was like, use Nas. Nas just beat Jay-Z. They just went through the ether. That little back and forth thing. You know what I'm saying? And then Nas ended up doing the record. I wasn't mad that he did the record. I was mad that he didn't call me. C'est toute cette histoire et surtout l'interférence d'Irv qui accoucheront finalement de la version de I'm Gonna Be Alright de Jennifer Lopez avec Nas que vous connaissez aujourd'hui grâce au clip. Tandis que la version avec 50 Cent, qui était la version originale, sera elle reléguée au rang de simple remix. Chefs making home cooked dishes, plenty trips, invisible sets, you know what you missing, you missing. Mais un jour, la version US du magazine féminin Elle, donc Elle Magazine, contactera Irv Gotye dans le cadre d'un dossier qui était réalisé autour de Jennifer Lopez. La rumeur à cette époque voulait que le couplet de J-Lo sur I'm Real, son couplet faussement rappé, qui est d'ailleurs ma partie préférée de ce morceau-là, était à propos de Puff Daddy, dont elle venait de se séparer quelques mois plus tôt. Mais cette rumeur se révélera complètement infondée. Puisque comme Ja Rule le confirmera plus tard, c'est bien lui-même qui a écrit I'm Real de A à Z avant d'envoyer la démo à Jennifer Lopez. I wrote I'm Real. Okay. For Jennifer Lopez. Jennifer Lopez démentira également. Mais lorsque les mecs de Elle Magazine demanderont confirmation à Irv Gotye, lui décrochera le téléphone
complètement défoncé sous l'effet de l'ecstasy, en lâchant cette phrase malheureuse, « That bitch is lying, elle vous ment », son couplet est bien à propos de Puffy, ce qui était complètement faux d'ailleurs. Évidemment, Irv réalisera son erreur et s'excusera auprès de Jennifer Lopez. Et d'ailleurs, il reviendra lui-même dessus dans plusieurs interviews. Hey, we're calling for L Mags. I said, what the fuck y'all want? Straight like that. The guy says, oh my God, we got a live one. He says, well, hey, well, let's just get right to it. J-Lo said the thing. I said, what? That bitch is lying. You didn't even let them tell or ask you anything. You just, before they said it, you just said that bitch is lying. Yeah. And I regret it. And when I talk to people about regrets in the business, that's number one. What's your number two? When I fucked with Nas. And because Jay has been my man since 1987. I've been brothers with Jay. So even though the allure of Nas coming to Murder Inc., I was like, it's going to be like Death Row and Pac. We going to rule the world. I should have never did that. Mais en ce qui concerne Jennifer Lopez, le mal était déjà fait. Et à partir de 2003, J-Lo coupera définitivement les ponts avec Murder Inc. Ce qui représentera une force en moins pour le label, à un moment où les vrais problèmes se profilaient. Si t'apprécies notre taf et que tu voudrais plus de vidéos comme celle-ci, alors participe au développement de notre chaîne en contribuant par le montant que tu souhaites à notre compte Tipeee, dont tu retrouveras le lien un petit peu plus bas dans la description de la vidéo. En attendant, bonne suite de programme et merci d'avance. Au début des années 30 aux États-Unis, les guerres entre familles mafieuses faisaient encore rage. Et un jour, l'un de ces mafieux, le fameux Lucky Luciano, va suggérer une idée simple, mais révolutionnaire pour l'époque. Et si chacune de nos familles, chacune conservant bien évidemment son indépendance, on décidait dorénavant de se concerter plutôt que de s'entretuer, c'est-à-dire déterminer d'entrée de jeu quel est le terrain de qui, par exemple. À ce moment, il se pourrait qu'on perde beaucoup moins de temps et d'argent dans les règlements de compte, et même qu'on ouvre nos opportunités de faire plus de sous ensemble. C'est cette réflexion qui sera à l'origine de ce qu'on va appeler le syndicat. En clair, un organe de concertation d'une large partie des familles mafieuses du pays, principalement celles de New York et de la côte Est de manière plus générale. Et cette structure était déjà tellement sophistiquée à cette époque qu'elle comprenait en son sein ce qu'on appelait un comité de direction, qui avait pour vocation de trancher les litiges qui pouvaient intervenir entre les différentes familles et surtout de s'entendre sur les balances potentielles à éliminer. Et pour exécuter ces balances, les mauvais payeurs ou toute personne qui ne collaborait pas avec le syndicat, le comité de direction faisait appel à son bras armé, c'est-à-dire à une équipe de gangsters dont le seul taf consistait à mettre en œuvre les ordres du comité de direction. Et cette équipe de voyous avait été baptisée par la presse Murder Incorporated, d'où son diminutif Murder Inc. Et donc le label de musique Murder Inc. tire donc son nom de cette équipe de Brooklyn, composée exclusivement de hitmen, c'est-à-dire de tueurs à gages. D'où le credo du label de musique Murder Inc., qui était donc à l'époque « We don't put out hits, we make hits ». Ce qui en clair est un jeu de mots en anglais pour dire « On n'exécute pas de contrat, on ne tue personne, on ne fait que des hits de musique ». Et en 2002, en termes de repères temporels pour vous, chez Murder Inc., on est entre « Always on Time » et « Mesmerize ». Et l'enquête du FBI avait amené les policiers à se demander si le nom Murder Inc. n'était pas plus qu'une métaphore pour le label. Puisque les textes des propres rappeurs de Murder Inc., particulièrement ceux de Ja Rule, sur son album Pain Is Love, commençaient à réellement prêter à confusion. À côté de ça, les studios du label Murder Inc. avaient été baptisés par ses dirigeants The Crack House, en clair, la maison du crack ou le repère des drogués si vous voulez. Et les textes des rappeurs de Murder Inc. s'étaient toujours montrés
ouvertement hostile au FBI et à la police de manière plus générale. Fuck cops, I pump crack rocks on back blocks. Lick shots at them snitch niggas snap box. Black child, couldn't go play with the children, cause I was too busy pumping them jumps in the building while most kids. Depuis sa sortie de prison dans les années 90, les fédéraux avaient toujours tenu Supreme à la culotte. Premièrement parce qu'ils n'avaient jamais réussi à le faire condamner pour l'assassinat du policier Eddie Byrne. Et deuxièmement parce que même si Supreme n'avait plus la même envergure que dans les années 80, il s'était quand même retrouvé impliqué dans plusieurs autres meurtres sur fond de règlement de compte. Donc le FBI avait toujours trouvé suspecte la relation entre Supreme et les frères Gotti, qui tendait de plus en plus à apparaître comme une relation quasiment familiale. Puisqu'on voyait Supreme apparaître sur les clichés de famille du clan Gotti à des baptêmes ou des mariages par exemple. Donc pour la police, ça devenait évident que Supreme et Murder Inc. étaient liés et que le label était une espèce de société écran pour couvrir les activités criminelles de Supreme. Cependant, les agents fédéraux croyaient que Murder Inc. et Supreme avaient fomenté leur plan ensemble depuis le début. Dans une déclaration sous serment donnée auprès du procureur de l'État de New York, l'enquêteur Francis Mays déclarait que Supreme était le véritable propriétaire du label. Il était le bras armé de Murder Inc. en exerçant menaces, violences et intimidations. Les frères Lorenzo, soutenus par les dirigeants du groupe Universal Music, maison mère de Def Jam et Murder Inc., ont nié ces accusations. Les agents du FBI disent que Kenneth McGriff, à savoir Supreme, a financé le lancement de Murder Inc. Mais ce n'est absolument pas le cas, rétorque une source de chez Universal. Raison pour laquelle, un vendredi matin, le 3 janvier 2003 pour être plus précis, sans crier garde, le FBI va procéder à une perquisition générale des locaux de Murder Inc. ainsi qu'à l'arrestation des frères Gotti et de plusieurs membres du staff de Murder Inc. Motif, blanchiment et complicité de blanchiment d'argent pour un montant d'au moins 1 million de dollars. Dans ses mémoires, Ja Rule revient sur le jour où Irv Gotti lui apprenait tout ça justement. J'avais jamais entendu Irv comme ça. Négro, tu croiras pas ce qui se passe. À ce moment, j'étais en tournée malgré toutes les galères qu'on rencontrait au label. Irv a poursuivi en disant « Le FBI a déboulé dans nos bureaux et a tout embarqué. Nos ordinateurs, nos fichiers, tout le reste. Les enculés gèlent même nos comptes. Ils ferment tout. » Le groupe Universal Music, qui était la maison mère de Def Jam, donc de surcroît de Murder Inc., se verra également notifié l'interdiction formelle de continuer à financer Murder Inc. sous peine d'être aussi poursuivi pour « complicité de blanchiment d'argent ». Donc vous comprenez que lorsqu'on entend que 50 Cent a brisé Murder Inc. etc., c'est bien plus compliqué que ça en réalité. En 2003, au début de la grosse médiatisation du beef, ce n'est pas tant que Murder Inc. ne voulait pas ou ne savait pas répondre aux attaques de 50 Cent, c'est surtout qu'il ne pouvait pas le faire. Je veux que vous gardiez bien en tête que du jour au lendemain, on a dit à Murder Inc. plus de bureaux, plus de sièges, plus de studio, plus de financement, vous vous débrouillez. D'ailleurs, dans une interview, Ja Rule expliquait que, à cette époque, il n'était clairement pas libre de répondre à 50 Cent. Okay, on one end, we got, you know, this rap beef going on. And then on the other end, we have... It's real shit. Real shit going on. Yeah. And, you know... It was a situation like, please, Ja, don't say nothing right now. Because everything you say can and will be used against us in the court of law. So, against us. Yeah, so don't go rapping and saying crazy shit on records about this dude when this whole situation is going on and it's stemming from that. L'immense succès de Murder Inc. avait suscité beaucoup de ressentiments et créé énormément d'ennemis au label. Et donc le raid du FBI sur Murder Inc. sonnait comme le glas d'un début de fin de règne que beaucoup, dont les policiers, avaient secrètement appelé de leurs vœux. Ashanti faisait allusion à cette jalousie qui avait accompagné les grandes années Murder Inc. dans son titre Freedom, qui est d'ailleurs l'un de mes sons
favoris d'Ashanti en carrière et présent sur son album Concrete Rose de 2004. Voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à laisser un petit commentaire, on y répondra. Aujourd'hui, notre chaîne grandit et c'est vrai que ça nous prend du temps pour faire ces vidéos. Donc, on a créé un compte Tipeee. Ce qui veut donc dire que si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, je vous invite tout simplement à participer au développement de notre chaîne en contribuant par le montant que vous souhaitez, ce qui vous sera possible en cliquant sur le lien juste en bas dans la description. En ce qui concerne notre série, on a vu qu'à ce stade de l'histoire, le beef avec 50 Cent avait surtout participé à décupler l'attention de la police à l'encontre de Murder Inc. Le raid des fédéraux, mêlé à l'arrestation des frères Gotti début 2003, sonne le début des vrais problèmes pour le label. Ceux d'entre vous qui sont un petit peu familiers de l'épopée Murder Inc., vous vous dites certainement que j'ai déjà abordé les principaux éléments du dossier. Vous vous trompez sur toute la ligne. Tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, vous pouvez assez facilement le retrouver ici et là en cherchant sur le net. Les deux prochaines parties qui s'annoncent sont pour moi de loin les plus intéressantes, puisque c'est là que j'apporterai ma valeur ajoutée. En vous parlant par exemple d'un événement assez peu connu du grand public, n'ayant strictement rien à voir avec 50 Cent et qui viendra mettre Murder Inc. en grande difficulté. Il y a eu des semaines et des semaines de recherche pour moi pour aller déterrer ces informations. Et si vous voulez donc connaître les véritables causes de la chute de Murder Inc., ainsi que le rôle inattendu joué par Suge Knight de Death Row et également par Ashanti, on se retrouve très vite pour la suite de cette série. À bientôt.